Bonjour à toutes et tous. Oh, ça réveille. Ah, mais vous êtes là. Vous êtes venus. Voilà, ça fait plaisir de sortir de la retraite, pour moi en tout cas. Et effectivement, retraite méritée après tant d'années de travail. Et pourtant, on nous ressort de nos cartons pour venir commenter un jeu qu'on aime bien, heureusement, et des runners qu'on aime encore plus. Ah bah carrément, parce que là, pour le coup, c'est deux potes, hein, au-delà des joueurs qui vont runner ici ce jeu que vous allez voir, Rayman Origins. C'est ce sont aussi des potes. Twins, un de mes meilleurs amis. Donc, alors, ça veut pas dire que. Attention, pas de favoritisme. Mais en tout cas, oui, ça fait plaisir de retrouver aussi un certain nombre de personnes sur le lieu même, hein, des runners, des runneuses, des gens qui organisaient des events. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait très plaisir d'être là. On est ravis de vous retrouver et de vous commander. En plus, on a de la chance, on a une race et c'est toujours un bonheur de commenter une race sur un jeu de 2011, Rayman Origins, le premier, vous savez, à avoir raté un peu le remake des Rayman en 2D avec une incroyable UbiArt Framework qui... Alors, c'est beau. C'est très, très beau, Rayman Origins. On sent vraiment... Alors, c'est un jeu, oui, à l'origine. Alors, il y a des trucs qui sont un peu flous dans les textures. C'est le proto de Legend. C'est un prototype, et c'est un prototype, on va dire, dans le code aussi. Et c'est un jeu qui peut poser quelques problèmes. On va pas se mentir. Autour de sa fiabilité à fonctionner. Disons que globalement, il y a eu des fois un petit stress que le jeu a eu pour réputation lors de l'exécution de certaines techniques, notamment FramePerfect. Le jeu, il pouvait y avoir des petits plantages, mais là, normalement, ça a été testé et retesté sur ce système et ça marche bien. Voilà, dans l'ensemble, ça devrait fonctionner. On espère que tout va bien se passer pour nos deux runners. On va vous donner bien destiné. On va essayer de vous commenter tout ça. On a la musique est formidable. Alors, déjà, commençons par une petite anecdote. Hein, ça va démarrer dans quelques instants. Mais alors, moi, déjà, je suis arrivé un petit peu déjà sur un malentendu parce que quand on m'a dit ça te dit de commenter ce jeu-là, j'avais Rayman Legend en tête. Ah, très bien. Oui, tout à fait. Ah oui, mais j'aime bien aussi Origins. Oui. Déjà, je suis arrivé en ayant un autre jeu en tête. Moi, c'est génial. Mais du coup, oui. C'est un jeu. Alors. Pour les gens qui connaissent la licence mais qui ne connaissent pas cet opus, il faut savoir que contrairement au premier opus sur PlayStation qui était revenu sur certains codes du jeu de plateforme, à savoir on ne pouvait pas sauter sur les ennemis, il y avait juste un coup de poing, là d'une certaine manière c'est plus classique parce qu'on a le poing certes mais on peut aussi sauter sur les ennemis, on peut faire des dashs, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire mais qu'on débloque sous forme d'options à travers l'histoire. Voilà, c'est ce que vous allez découvrir tout au long du speedrun, on va débloquer des coups et ça va être très pratique. On va quand même parler un petit peu de cette catégorie qui est un peu particulière, oui. C'est un Unipourcent, étonnamment 50 Electools. Et 50 Electools, normalement, ça ne suffit pas pour finir le jeu. Mais vous allez voir, petite surprise, il y a beaucoup de techniques qui vont être très intéressantes. Et ça va faire que... J'avais rarement vu un speedrun où on devait aussi bien optimiser la mort. Oui, c'est ça. Donc, pas de spoil pour l'instant. Non, mais préparez-vous. C'est pas normal ce que vous allez voir ce soir. 50 Electools avec un... On est sur un estimate normalement à une heure. C'est large, on va dire. C'est tout. Il faut passe bien, oui. Et ces deux runners, là, depuis qu'ils savent qu'ils viennent à speedrun, se tirent la bourre depuis environ 2 mois pour savoir qui est véritablement la personne qui a le record du monde. Et ça a été très actif. Enfin, rien que la semaine passée, le record de ce jeu sur cette catégorie est tombé 6 cette fois. Ils ont quasiment alterné chaque jour et pour donner les derniers temps, c'était 51-05 de mémoire pour Twin et 51-04 pour Vlad. Une petite avantage, petit avantage quand même pour Vlad. Donc préparez-vous pour une race à la fois de qualité parce que c'est quand même numéro 1 et numéro 2 qui sont là ce soir et en plus, eh bien, on est sur des temps incroyables. Donc j'ai hâte de voir ça et de vous voir lutter tous les deux pour le record. Est-ce que vous pensez qu'il est envisageable de faire le record du monde ce soir en live? Très difficilement, mais peut-être. Ah, on a quand même un peut-être, c'est déjà pas mal. Ben, c'est-à-dire que c'est un jeu, vu qu'ils m'ont parlé un petit peu de leur entraînement, il faut savoir que comme on est sur un jeu de plateforme, chaque saut quasiment est optimisé. Il y a vraiment des setups pour chaque petit saut. Donc, on a très peu de latitude. Quand on réussit tout bien, on gagne quelques frames, quelques secondes par-ci par-là. Mais donc, le record, souvent, c'est une excellente run. Il suffit qu'un truc se passe pas bien, ça devient difficile. Voilà, on va bientôt le on top départ. On va pouvoir y aller. On nous dit à l'oreillette que c'est bon. Est-ce que vous êtes prêts, les runners? Tout va bien? Il y a un souci, on est inversé là. Ah, alors attention, il faut que ce soit... Vlad et Twin sont inversés apparemment. Changez leur petit nom sur votre X-Split national. Ah bah ça, je fais des blagues pour les techniciens, ça sert à rien. Ça laisse le temps du coup, très rigolo parce que jeu effectivement sur lequel, parce que énormément, c'est ça, chaque activité, fût-ce le jeu vidéo, on socialise. Vlad est en espagnol. On a rencontré Twin en fait grâce à ce jeu de mémoire il y a longtemps maintenant. Donc,
Il me semble que... Est-ce que c'est la première fois que tu es venu à Speed Game? C'était pour Greyman Origins, c'est possible. C'est vrai. En 2014. Voilà. Voilà. Vous voyez, on habite à quelques centaines de mètres l'un de l'autre maintenant. C'est beau le speedrun, hein. C'est incroyable ce que ça, ça engendre. Plein de gens sont rencontrés, c'est une communauté chaleureuse. En tout cas, n'hésitez pas à vous impliquer en tant que runner-runneuse, commentateur. Enfin, il y a vraiment plein de gens sympathiques. C'est une communauté relativement inclusive. Avec tout un tas de jeux, c'est l'avantage. On a énormément de disciplines, hein, contrairement on va dire à l'athlétisme, où déjà ils en ont beaucoup, mais là, il y a autant de jeux. Et surtout, si c'est le jeu du cœur, c'est toujours évidemment un bon moyen de commencer, parce que beaucoup de runners-runneuses ont commencé par leur jeu du cœur, ce qui est assez logique. Et ça devrait démarrer dans quelques instants. Allons-y, c'est bon pour vous? C'est bon, c'est les bons prénoms? C'est les bons pseudos? Eh bien, allons-y, vous êtes prêts pour compter avec nous? Allez, c'est parti! 3, 2, 1, go! Et c'est parti pour 50 minutes de folie. Alors l'avantage, il y aura un certain nombre de menuing des retours pour gagner du temps justement à la fin de chaque niveau. Ça va être très, très straightforward comme on dit. C'est vraiment un jeu très lisible, gauche-droite, tout va se passer en scrolling, vous voyez, gauche-droite, jeu de plateforme. On saute, on court évidemment, on va techniquement pas lâcher le bouton de course. C'est le jeu à se faire des tendinites, hein, il faut le savoir, vu qu'on ne lâche jamais le bouton course. Alors. Et on va récupérer le premier pouvoir très rapidement en poursuivant cette petite fée enfermée dans une cage qui court. Voilà, le coup de poing. Alors, disons-le tout de suite, il va falloir quand même libérer des petits amis. Hein, quand les 50 personnes dont il est question, ce sont 50 cages à ouvrir. Et on voit aussi que nos runners prennent soin de choper un certain nombre de ce qui vous apparaît comme les petites sphères jaunes qui se baladent. Et ça va être assez important aussi dans ce speedrun, dans cette catégorie, et donc dans cette race, parce que ça va permettre de débloquer à la fin de chaque niveau un certain nombre de choses, comme vous le verrez. Et ça fait partie du routing. Donc si on voit qu'on est en avance ou qu'on est en retard, il va falloir justement faire attention, avoir ce petit compte. Il y a toujours au moins une partie de l'attention du runner qui fait attention au nombre qu'il y a en haut à gauche. Voilà, vous allez voir, il y a effectivement ce nombre. Alors, il y a deux véritablement possibilités pour gagner des electoons. Soit vous allez vous arrêter au niveau à 150 ou 100, là ici, parce que c'est le premier niveau, c'est un peu particulier. Mais en général, c'est 150 ou 300. Et vu qu'il en faut 50 pour finir le jeu, ils vont devoir choisir quel niveau faire ou voilà cette barre-là. Vous voyez, 50, bam, envelin de libéré. Voilà, et le deuxième à 100. Et après la médaille, on s'en fiche. Dans la médaille, on s'en fiche, ça c'est pour éventuellement une catégorie. Attention, alors idéalement, premier point, on voit... deux choses importantes dans ce menu. On pourrait se dire ça n'est qu'un menu, mais beaucoup de choses vont se jouer ici. Si vous prenez trop justement d'électoons, en fait, ce qui est très embêtant, c'est que la barre continue de se charger. Et donc c'est toujours une petite perte de temps. Le temps de compter les électoons en trop, c'est 2 frames par électoon. Voilà, c'est ça. Donc ça va vite en fait. Idéalement, il faut être pile à 150 quand on prend la barre. Et si vous êtes pile au bon chiffre, vous pouvez skipper l'animation de la roue qui vous affiche l'électoon et ça fait regagner quelques secondes. Pile au bon chiffre. Pile au bon chiffre et à la bonne frame. Ouais, c'est frame perfect. C'est vraiment très difficile. Hein. Et on peut gagner 4 secondes. Donc si ça arrive quelques fois dans la run, alors on espère en voir un petit peu quand même, mais effectivement, si les lums, pardon, les lums, c'est les électoons, c'est les lums. Enfin, les gens ont compris. Mais dans l'univers étendu de Rayman, c'est important de ne pas faire d'erreur. Hein. Les lums, c'est les petites sphères jaunes et les électoons, c'est les violets qu'on libère à la fin. Ouais, les lums, c'est l'équivalent des pièces dans Mario, fondamentalement. Et l'avantage, je trouve, des jeux de plateforme, pour les gens qui seraient un petit peu profanes par rapport à la discipline, c'est que, comme je disais, ça se suit bien. On voit les courses, on voit à chaque fois qui est un petit peu en avance. Parce qu'ils vont faire le même itinéraire, donc ça va être, vous voyez, 147 ils sont exactement sur la même route. Hein. 142, donc... Route qui a été modifiée et optimisée grâce à un tool assisted speedrun de Kilai, mon coloc, vers des techniques ton coloc, exactement, non, tout est lié, et qui a fait le tool assisted speedrun du jeu sur Wii, 4 joueurs. Il a fait 4 joueurs simultanément et c'est un tool assisted speedrun complètement fou. Et quand il a vu Twin runner le jeu, il a fait mais pourquoi tu fais pas ça ici? Et on le verra plus tard et ça a permis de débloquer le temps et de faire beaucoup baisser le temps justement sur ces derniers records en préparation de speedrun. Petite avance de Twin, du coup, ici. On le voit à 263 lums, 223 à gauche pour Vlad. On le voit aussi, vous voyez, ils prennent des petits cœurs. Alors, bien sûr, premièrement, ça leur permet de gagner, d'avoir un hit de plus, parce que dès qu'on se fait toucher, on se transforme en bulle et on est mort. Mais surtout, ça vous fait gagner 5 lums aussi d'avoir un cœur quand vous prenez un autre cœur.
Mais ça, c'est très drôle parce que quand on regarde par rapport au premier opus ou au Rayman 1 sur PlayStation, à l'époque, ils avaient mis une barre d'énergie, mais le jeu était excessivement punitif. Dès qu'on se faisait toucher, finalement, on tombait dans un trou. Donc, c'est comme si on n'avait pas de barre d'énergie. Et là, ils sont revenus à partir de cet opus sur un système simple. Eh ben, on n'a pas de barre d'énergie. On se fait toucher, on est mort. Mais on peut sauter sur les ennemis. Oui, alors ça, c'est déjà mal. C'est déjà énorme. Et là, on voit donc 300 pour les deux. Est-ce qu'on va avoir... Dans l'animation, ils sont tous les deux à 301. Alors, il y a des petits problèmes de comptage en plus, parce que le jeu vraiment n'est pas oui, complètement terminé. Donc, en général, si vous voulez être sûr d'avoir 300 à la fin, parce que vous êtes vraiment obligé d'avoir 300, il est peut-être conseillé de monter un petit peu au-dessus pour être sûr que ce soit bien compté à la fin. Alors, les petits menuings, ça peut vous surprendre, c'est juste parce que c'est un peu plus rapide de sortir et de rentrer dans le jeu plutôt qu'attendre que le personnage se déplace. Se déplacer, c'est très lent. Hein. C'est très lent. Alors vous le remarquerez évidemment, on va toujours, vous voyez, pour aller très vite, on va donner un coup de poing et on saute juste derrière. Ça permet de donner une grosse impulsion au personnage et on va essayer de passer un maximum de temps en l'air car c'est le type de jeu de plateforme dans lequel notre personnage est plus rapide, notre vitesse n'est pas vraiment capée quand elle est en l'air alors qu'elle est capée quand on est au sol, la vitesse de course est capée, donc courir juste au sol c'est mal, c'est il faut essayer d'être en l'air et si possible du coup, voilà, ça fait un office de dash, coup de poing sauté ça fait un dash et si on a le timing on peut même conserver l'inertie en ayant un saut assez précis, enfin, voilà, y a des petites choses à faire, c'est pour ça que là, si vous jouez chez vous, ça risque d'être un petit peu plus lent. Mais moyennant un petit entraînement, vous arriverez à faire un certain nombre de techniques. Oui, parce que le jeu, en fait, il n'y a que globalement deux boutons. Vu que le troisième, c'est courir, mais qu'on le tient tout le temps, il y a sauter, taper. Et pourtant, avec simplement sauter, taper, le fait qu'on puisse s'accrocher au mur, que l'on puisse dasher, que l'on puisse tomber, plonger, sauter, ben, ça donne un panel de mouvements assez intéressant à Rayman. Et à chaque fois, chacun de ces stages, en fait, ces petits tableaux, eh bien, ils ont dû réfléchir à comment le passer, l'optimiser. Oui, oui. Et vraiment, vous allez voir que les mouvements entre les deux joueurs sont extrêmement proches parce que, ben, en fait, il y a un écart de quelques secondes entre eux, hein, de toute façon. C'est ça. Ce qui est, en tout cas, là, je reviens s'il y a des gens du coup qui peut-être découvrent cette seconde édition de l'événement ou découvrent éventuellement même la discipline. J'imagine que l'essentiel du public est un public de connaisseurs-connaisseuses, mais il y a peut-être à la marge des gens qui découvrent la race. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une manière de faire de l'e-sport, de faire du speedrun qui est plus facile à suivre quand on n'a pas tous les éléments parce que c'est assez, on comprend, on sait ce que c'est à 1500 mètres, on sait ce que c'est qu'une course et on comprend facilement les enjeux. Permis d'éviter d'essayer voilà, de se tirer la bourre entre potes. Twin, quelques secondes d'avance, hein, il est en train de mâcher sa manette à la 8 de trop. De passer, regardez, vous ne le voyez pas peut-être, mais il a le pouce en effervescence sur son. Je crois qu'il l'a eu. Deux de trop pour Vlad. Ah, donc c'est dommage. Il rattrape un petit peu. On espère. Hein, non, mais ça va jouer. De toute façon, dès que les 4 secondes, si ça se fait. Alors, surtout si c'est Vlad, on va le voir qui va rattraper Twin, ou que si dans l'autre sens, ce serait Twin qui prendrait de l'avance. Oh non, là, il y a vraiment un écart pour l'instant très très faible. C'est, ouais. C'est ça qu'on aime. Alors, pour ceux qui se posent la question, si ces temps de chargement sont fixes. Donc de toute façon, tant que le jeu est chargé, ben ça va passer. Mais en vrai, ils sont fixes, donc il n'y aura pas décalage entre eux, même s'ils n'avaient pas les mêmes machines. Voilà, ça ne changerait rien. Les petites pièces, ça ramène pas mal de l'âme aussi. Y a vraiment un routing. Il faut savoir que souvent dans les jeux de plateforme comme ça, et surtout dans celui-ci, j'ai parlé de routing de saut. Il y a un routing général, évidemment, par rapport au jeu. On sait qui on va délivrer pour atteindre les 50 électoons. Après, dans chaque niveau, chaque saut va être millimétré. Puis il y a aussi un routing au niveau de quel l'âme on prend. Quel l'homme on prend pas. Et il y a un petit peu d'apprentissage. Et il y a aussi, c'est ce que m'expliquait Twin hier, c'est que si jamais tu es en avance ou en retard, ils sont toujours en train de jeter des petits coups d'œil en haut à gauche du nombre qu'ils ont pour se dire ah, j'en ai un en trop, et bien c'est pas grave, je vais skipper celui-là. C'est ça. Ou alors s'il m'en manque, et bien j'ai un backup en passant par là, si j'ai perdu mon cœur. Et donc en fait, il y a plein de routines comme ça, il faut extrêmement bien connaître le jeu pour faire cette catégorie parce qu'en fait, on n'arrête pas de faire des micro-ajustements sur sa route en fonction du nombre de l'homme qu'on a récupéré. Environ 5-6 secondes d'avance pour ouais. Ouais, à peu près. Hein. Je vais regarder tout à l'heure précisément au chrono en prenant un point fixe. La Twin s'est fait toucher. Oh, regardez, ça va se rapprocher. Ouais, là, il a perdu son cœur en plus. Et donc, ouais. Il va devoir récupérer des électrons sur la route. Ah oui, là, carrément. Il l'a récupéré, mais il n'y a plus que deux secondes. Regardez là. La différence que ça fait, c'est que Twin est à 125 et Vlad est à 134. Donc, Twin va devoir aller chercher quelque chose de plus pour être sûr d'assurer les 300. Ah, ça se resserre, c'est Vlad qui... Et oh là là, c'est très serré. On est à la frame. Ah, il a récupéré le cœur, c'est magnifique, le retour. Ah, vous pouvez les applaudir parce qu'effectivement, c'est très très serré. Oh là là là. Allez. Et la boîte qui ne s'est pas ouverte instantanément, 192 pour Twin, 207 pour Vlad. Mais c'est pas grave, les deux, de toute façon, en auront suffisamment à la fin.
Alors attention ici, ce petit saut, il ne faut pas mourir, c'est bon, c'est passé. Alors ici, il y a un petit bug qui peut vous tuer. Il y a un pixel qui tue. Parce qu'à la base, les level designers n'avaient pas prévu que les gens passent comme ça. Voilà. Donc, du coup, ils n'ont pas mis toutes les textures en fait. Et donc, ils ont un peu une façon sûre de le passer. Mais si tu vas très vite, tu peux quand même mourir ici. Voilà. C'est dommage alors que tu n'y es pour rien. Oh là là. Et là maintenant, c'est Twin qui a une petite seconde de retard sur Vlad. Voilà, on le voit, ce petit médaillon à 23, ici 25. Et 299, j'espère que son 300 est bien validé pour Vlad, sinon il serait... Et le 300 pile pour Vlad, et incroyable. 301 pour Twin. Alors qui va réussir le skip? Alors, va-t-on le voir? Si le skip est réussi, il reprend l'avantage, Twin. C'est Vlad à 150. Il va être à 300 pile en fait. Non, il pourra pas Twin parce qu'il en a un de trop. On va voir. Vlad pourrait par contre. Allez. À 300 peut-être. Ah non, on a la petite roulette d'affichage, les deux roulettes d'affichage, voilà. On reste égalité. Et le petit menu, on sort du jeu, on revient, c'est plus rapide que de regarder Rayman se balader dans le choix de niveau. Quelque chose qui avait été amélioré aussi dans Legends pour le coup. Oui, mais les menuing. Ouais. Et le menu colle, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est que vraiment le menu, quand vous faites haut et bas dans le menu, il réagit pas tout de suite. C'est insupportable. Alors, il réagit pas tout de suite si vous êtes à la manette analogique. Si vous êtes au clavier, ça marche très bien. Voilà, voilà. Donc ça fait que on bind des touches de clavier sur sa manette. C'est super. Voilà, en tout cas, on est toujours évidemment dans le premier environnement de Rayman, hein, souvent dès le premier opus. La jungle. Voilà, la jungle, ça marche toujours bien. Une jungle, c'est toujours bien. Plutôt accueillante quand même. Oui, il y a quand même quelques ennemis qui traînent. Voilà. Mais sont-ils vraiment effrayants? Je ne sais pas. Vlad. Il y a un truc juste derrière. Parler, je ne sais pas si on en parle tout de suite. Ces joueurs sont fous. Parce que sur leur manette, ils jouent deux joueurs simultanément. Et on va devoir vous préparer à ça. Oui, tout à fait. Ouais. Il est possible de binder les boutons de telle sorte. Parce que c'est un jeu qui peut se jouer à plusieurs. On peut jouer à quatre simultanément. Ouais. Ce qui est fait pour être fun. C'est un jeu fun à la base. Ah ouais. C'est pas un jeu à speedrun. Hein. Et qui est aussi, c'est un peu permissif. Parce que si on est mort, tant qu'on a un pote qui est là, il peut nous ressusciter en ballon. Enfin, c'est vraiment un jeu. Moi, j'ai fait des ateliers jeux avec des enfants. Ça marche très très bien. Oui, c'est un les super tout jeu. Petits trouvent ça génial. Viens me chercher en ballon. Et donc, du coup, ils sont toujours en train de se. Oui, parce que même si quelqu'un joue très bien, il va juste ressusciter ceux qui jouent un peu moins bien. Et tout le monde joue ensemble, peu importe son niveau. C'est très serré. Le retour de tout le monde à le même écran. Regardez comment ils font la même chose. C'est extrêmement impressionnant. Oh là 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 là. Toujours à la frame entre les deux. Vous pouvez les applaudir. 244 par contre. Twin est à 240 là. Il va continuer. De toute façon. Donc il est la 4 entre guillemets de retard sur, oh là là. Sur Vlad. Quelle race. Allez. Quand il chante comme ça, il valent deux fois plus. Sachez-le. Donc, et vous avez vu que ça dure un certain rouges, temps. Ils sont rouges. De quoi? Ils sont rouges aussi souvent. Les. Ouais, voilà, ils chantent, ils sont rouges et ils valent deux fois plus. Donc, il faut se dépêcher. Ça ne dure qu'un certain temps, donc vous devez les récupérer assez vite pour faire doubler leur valeur. Toujours très proche. 300 piles côté Twin. J'ai la petite photo souvenir. Et Vlad aussi pour le coup. Nouvelle tentative. Pour allez, le on y croit. Faut mâcher la manette. Regardez le pouce extrêmement rapide de Twin. Il est à fond, il atteint les 12 FPS, les 12 Hz. Allez. Allez. Ah, et c'est raté. Et c'est raté. On va en avoir un d'ici là, d'ici la fin. Faites des dons. Il paraît que ça améliore les FPS du jeu. C'est clair. Il est plus sympa, ça modifie la chance. Oh là là, c'est toujours... tendu, on va aller récupérer bientôt un nouveau pouvoir. Ah oui, j'avais pas vu effectivement que Vlad joue en espagnol. Enfin, ce qui semble de l'espagnol, je parle pas espagnol. Oui, bah, comme ça on peut mais ça y ressemble. Oui, tout à fait. Alors, des niveaux qu'on pourrait qualifier d'auto-scroller, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller tellement plus vite et on va récupérer un max d'Elextoon. C'est des niveaux vraiment très 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 simples. Et on voit que le jeu, les level designers n'avaient pas pensé à ce que les gens fassent des dashs dans tous les sens en faisant coup de poinceau. Parce que on sent que les runners vont trop vite là, ils sont obligés de ralentir parfois parce que le jeu ne se déroule pas assez vite. Enfin, c'est un petit peu le comble. Je sais pas si vous avez vu, ils ont fini tous les deux à 183 et le jeu compte 184. Voilà, pour vous donner une idée de comment c'est bien fait. C'est pour ça qu'il faut toujours attention au nombre de l'homme ce qu'ils prennent, parce que des fois le jeu compte un peu bizarrement. Et il est possible que ce soit même affiché 185 en sortant du niveau. Très très petite avance de Vlad. Voilà, ça lui donne un confort psychologique. Voilà, c'est ça. Il est devant, on peut lui poser des questions, on a le droit. on ne le fera pas pour l'instant. Regardez, vous avez vu, c'était écrit 185 dans le menu. Hein. J'ai pas menti.
Alors, petit niveau de moustique, et on adore les niveaux de moustique, vous allez le comprendre pourquoi. En fait, non, parce que c'est des niveaux qui sont des auto-scrollers, qui sont un peu des shoot'em up, et vous voyez là, ils sont en train de mourir en boucle, en jouant le deuxième joueur. Voilà, c'est les CDS, parce qu'il y a un certain nombre de niveaux qui sont obligatoires, et le jeu était un jeu très sympathique, parce que quand il sort, à l'origine, c'était... des jeux sur Wii. C'était la fameuse mécanique, quand vous mourrez trop, on vous prend par la main et on vous dit, ben, si tu veux, tu le feras plus tard, continue d'avancer. Et à ce moment-là, comme on va pas voir tout le jeu, là, on va, comme vous le savez, on va sauver seulement 50 personnages, bah, ce niveau étant trop long, voilà, c'est plus rapide de mourir 8 fois. Voilà, donc on va mourir 8 fois pour ne pas faire le niveau du tout. C'est autorisé parce que c'est des niveaux extrêmement longs, auto-scrollers. Voilà, on n'a pas envie de les faire et donc ils vont exécuter ça plusieurs fois, décider de mourir. Mais en fait, il faut savoir que c'est quand même optimisé la façon de mourir. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont un deuxième joueur. Ça va leur permettre, dans certaines situations, de mourir plus vite. Et ça, c'est notamment, il y a des stratégies qui ont été découvertes par le TAS. C'est paradoxalement la mort de Tine. Ah là là. Et là, ça va faire. C'est la punition instantanément. Heureusement que c'était au début du niveau. Mais tout de suite, quelques secondes de perdu. Mais il avait un tout petit peu d'avance, heureusement. Alors, il avait été plus rapide dans les morts. Ouais. On va voir si il arrive à compenser. C'est pas terminé. De toute façon, il va falloir maintenant ne plus faire d'erreur dans ce niveau. On arrive dans les niveaux Alors, c'est le désert musical. Hein. Ouais, c'est ça. Ils adorent avoir des environnements musicaux. Dès Rayman 1, il y avait un univers musical qui était également le deuxième monde avec le saxophone comme boss. Il y a des traditions. Hein. Mais c'est très agréable parce que t'as les bons dos, les tambours, ça rebondit, voilà, c'est toujours sympathique. L'univers est plutôt agréable visuellement, ça c'est assez enrichi. Oui, le jeu était magnifique et a été reconnu comme très très joli au niveau de sa sortie. Même sur Wii, hein, il reste très agréable. Très agréable. Il est sorti sur PC quelques mois plus tard, sur Vita, si vous voulez le faire sur Vita, on sait jamais. Et de la même manière, si vous ne connaissez pas la licence, vous pouvez jouer également à l'opus d'après qui est finalement très très proche. Manette en main, c'est quasiment la même chose, c'est juste son d'autres niveaux, c'est une autre histoire, mais Rayman Legend, qui est celui qui arrive après, se joue très facilement et très agréable. Vlad qui récupère un pouvoir que vous ne verrez pas de la run, ou quasiment pas, c'est le pouvoir de voler. Alors vous le savez, Rayman, il a des magnifiques cheveux. C'est des cheveux hein, avec lesquels il fait des hélicoptères. Ouais. Et donc, ça lui permet de planer un petit peu quand vous gardez le bouton saut appuyé. Mais en fait, on va extrêmement... Bah là, ça sert. Là on vient là, de là, voir. Il est utilisé un peu, mais vous ne le verrez pas souvent. Parce que c'est très lent de voler, en fait. Hein. Vaut mieux tomber avec classe que voler sans talent. Voilà. Allez, en tout cas, petit retard, mais qui peut largement se rattraper. Oui, mais... la run est loin d'être terminée. Il y a encore beaucoup de choses très dures. Ouais. Mais il va falloir qu'il gratte... Sauf erreur évidemment de Vlad, il va falloir gratter des frames et des secondes par-ci par-là. Il va falloir mâcher mieux. Là, il a quoi? Je dirais peut-être 20 secondes de retard, 25 secondes, quelque chose comme ça. Un peu moins, je dirais, mais on va regarder un point fixe. Voilà, paf, ici à 17,5. 17,6, ouais. Ouais, ça a ouvert cette cage. On va aller voir pour Twin. Donc 15, effectivement, ça fait déjà 10. Alors on va être à 15 secondes, 16. Ouais. Ouais. C'est largement récupérable. Ouais. Donc là, il va falloir. On encourage Twin dans la salle. Là. Il a besoin d'énergie. C'est exactement. Bien, vous êtes comme il faut. C'est ça. Parce que c'est pareil, j'imagine beaucoup d'entre vous dans la salle ont également rené parfois des jeux. C'est lors d'une race, des fois, c'est une pression différente, des fois. Être devant, ça peut être aussi un petit stress parce que tu dis, faut pas que je perde mon avance. Alors, je vais vous montrer quand même un truc qui est intéressant. Regardez ce que fait Vlad. Comment il meurt, en fait? Parce que c'est pas évident de mourir aussi vite. En fait, il jougle le box, il l'envoie se faire tuer sur l'ennemi, mais il envoie simultanément Rayman à gauche. Et le jeu, en fait, pour considérer que vous êtes mort, il se dit, ok, le personnage principal, il est en dehors de l'écran, donc il est mort, et le deuxième personnage qui joue est une bulle, donc il est mort. Et plutôt, parce qu'au moment, en fait, comme il le joue, le personnage principal, c'est Globox, mais l'autre, il est inactif, il est trop loin. Non, il fait les deux en même temps. Oui, il fait les deux en même temps, mais du coup, il est plus... normalement, si Rayman était... Non, c'est juste parce qu'il est hors de l'écran. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment, il faut être hors de l'écran, et l'autre en bulle. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Et là, pas besoin d'explication sur comment mourir ici. Bon, là, c'est très clair. Sauter dans le vide et se suicider, c'est très rapide. En faisant un petit pogo quand même, histoire de... On peut pas juste tomber. Oui, on peut pas juste tomber, non, mais... C'est du speedrun. Voilà, c'est ça.
comme on vous le dit, chaque mort, vu qu'il y en a quand même 128 au total dans ce speedrun, a été optimisé et réfléchi individuellement. Enfin, en fait, c'est 8 fois 16 niveaux, je crois, où il meurt. Mais je trouve, par contre, Twin, j'ai l'impression qu'à chaque fois, sur quand il faut mourir 8 fois d'affilée, il regrette un peu de temps. Et vous allez voir aussi, il y a un truc assez fourbe. Quand vous mourrez 8 fois, regardez bien ce que fait le jeu. Il vous dit, vous êtes sûr de vouloir partir? Et il vous dit, à droite, partir. Et après, il vous dit, vous êtes sûr de vouloir partir encore? Et là, il vous le met à gauche. Et donc, il ne faut pas te planter, parce que sinon, tu refais les 8 morts. C'est horrible. Ouais. Et là, pareil, on utilise le Tinsy pour se suicider contre ce Zouazal dégueulasse. Et Rayman à gauche, on sort de l'écran. Le jeu considère que tout le monde est mort. Et c'est parti. Ils font vraiment exactement la même chose tous les deux. C'est voilà, des morts en boucle. On vous a dit que c'était important dans ce speedrun. C'est important parce qu'en vrai, c'est quand même la catégorie la plus intéressante du jeu. Quand on ne fait pas les 50 electoons de 10% comme ça, il faut normalement 120 electoons pour pouvoir aller débloquer le dernier niveau. Et c'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup plus long. Et surtout, il y a beaucoup de niveaux auto-scrollers qu'on est obligé de faire et qui sont, on va dire, vraiment ennuyeux en speedrun. Hein. Donc tous et ces niveaux avec le moustique où vous faites du mauvais shoot 'em up. Voilà, on est parti. Et effectivement, déjà, ils sont beaucoup plus sympas dans ce jeu qu'ils ne l'étaient dans Rayman premier du nom, parce qu'il fallait tous les avoir pour accéder à la fin. Il n'y avait pas de 10% dans le premier Rayman. C'est 100% ou rien. Si tu n'as pas débloqué tous les electoons, tu n'as pas le droit d'aller voir le dernier boss. C'est pas sympa. Petit niveau une fois de plus où ils sont, en fait ils peuvent pas aller plus vite, c'est ça qui est terrible quoi. On est obligé de le faire comme ça. 175 pour Vlad, on va voir combien de temps est derrière Twin, mais en fait j'ai l'impression que ça reste très, très stable hein, l'écart pour l'instant. On va prendre un point de repère, il en faut 175 c'est toujours, et là 176. Est-ce qu'il va réussir à mâcher le bouton, le 175 Vlad? Non, qu'il en a un, de toute façon. On va regarder du côté de Twin. Ah voilà, intro. 100. Il en a un petit peu trop aussi, Twin, ici. Il a une chance, on sait jamais. Regarde, il en reste 7 ici. Et le save and quit, prochain niveau. Le retour à la croisée des rêves. Ils ont décidé de ne pas faire la même chose dans les... Ici, assez classique, encore un niveau. On se suicide. Il va être donc un là, peu tout droit. Et c'est pour ça, pour comprendre, quand on dit 50, il faut sauver 50 electoons. C'est justement ça le logique. On pourrait dire ne pas sauver telle personne, en sauver une autre. Mais globalement, a priori, vu notre connaissance du jeu et l'exécution que les gens ont, on va décider que ce sont ces 50-là. Après, c'est des choses qui peuvent bouger. Plus il y a de gens qui run, plus il y a, s'il y a un tas, etc. Typiquement, c'est le type... Le routing, ça peut évoluer parce qu'on se dit, regardez ici. Alors, finalement, c'est pas si long que ça. Je crois qu'on se fait raider et qu'on nous dit qu'il faut aller vite. je vous le dis, hein, apparemment, faut aller vite. Et merci à Zerator pour son gros raid de 10 000 viewers. C'est pour ça, je me disais bien qu'il se passait quelque chose, on est d'accord. Let's go. Alors, bienvenue à tous les viewers de Zerator. Vous voyez le chiffre en bas à gauche de ce stream? Eh bien, il n'est toujours pas écrit 5-0-0-0-0. Vous savez quoi faire. On compte sur vous. On compte sur vous, surtout pour avoir une race pacifique, une run pacifique de Ninja Gaiden. N'oubliez pas, c'est important. Et là, il s'agit d'une race de Rayman Origin entre Vlad et Twin sur la catégorie Any% 50 Electoon. C'est assez serré. Petite avance de Vlad. Comme on le voit ici, il est entré à 30. Twin, elle a pas mal rattrapé quand même. Ouais, non, ça se resserre. Je pense qu'il a, il a toujours une chance. Mais Vlad, cette stabilité, quand même, pour l'instant, il n'a vraiment pas commis d'erreur hein, sur ce speedrun. Peut-être quelques petites imperfections, mais vraiment, sur la totalité, là, pour l'instant, c'est très, très propre. Et Twin, il donne tout hein, depuis tout à l'heure pour prendre tous les risques et compenser sa mort du niveau de musical. Alors que maintenant, on est dans un niveau plutôt, bon, certes glacé, mais surtout glissant. Et c'est ça qui est gênant quand on est sur de la glace, vous le savez. Déjà, l'inertie du jeu est assez lourde, hein, c'est pas ouf. Mais alors là, ça devient vraiment fifou. Et regardez, même s'il touche la boîte qu'il doit toucher à la fin du niveau, ça ne changerait rien. Et le niveau aussi fait des trucs assez bizarres. Si vous allez vite, il accélère. C'est un peu comme un élastique, en fait, le système de suivi. Et là, c'était la première frame où il pouvait toucher la boîte de la fée. Et on va récupérer le pouvoir de devenir petit.
toujours environ 3 secondes entre les deux runners, on rappelle. Hein, c'est très très serré. Twin qui est bien revenu dans le game. Hein. Record du monde à 51-04, donc on peut imaginer 52-53, ça vous donne à peu près alors, un ordre d'idée. Pour en avoir parlé un peu avec les runners, hein, il serait quand même assez triste de faire un 52. Ils sont là pour faire un sub 52 minimum. Eh ben, on leur, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Pour l'instant, ils sont dessus. Hein. Et là... Ah, ça va, ça se resserre de plus en plus. Oh là là. Vlad doit sentir la pression dans son dos. Il a le souffle de Twin juste derrière lui. Regardez, c'est quelques secondes. Quelques secondes. Très très beau retour. C'est ça qu'on aime dans les races. Allez. Allez, attention, alors ici c'est important. Twin est passé. Les deux sont passés sur... Alors c'était très dangereux, hein. Vous avez pu le voir, ils ont utilisé les piranhas en prenant un dégât et pour sauter à travers cette bouillasse de piranhas, eau, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est extrêmement dangereux et ils ont pris volontairement un dégât en plongeant dedans avec un petit cœur pour aller plus vite et les deux sont passés. C'est bien joué. Voilà, toute petite avance, hein. C'est moins de 2 secondes maintenant. C'est ça, environ 2 secondes, donc il a rattrapé 1 seconde, Twin. Donc là, le pouvoir qu'on a utilisé... Twin qui s'est fait toucher, par contre. Ah. Alors, c'est bon, il faut passer ici. Attention, les fourchettes. Oui, on saute sur les ennemis. Ouais, il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention. Il faut bien compter aussi le nombre d'électounes que l'on débloque. Donc là, prends de l'avance, Vlad. Petite reprise d'avance. Et donc le pouvoir petit grand, c'est quasiment un faux pouvoir, c'est quasiment c'est juste un pouvoir de level design. En fait, oui, tout à fait. Ils appellent ça un pouvoir, mais... Oui, en vrai, bon, voilà, c'est quasiment automatique. Enfin, voilà, c'est on ne peut pas dire. Passer ça, en fait, c'est tout simplement. Il y a des pouvoirs comme le pouvoir de voler qui ne sont pas si utiles que ça et qui seraient à peine utilisés en speedrun, mais le pouvoir de devenir petit est indispensable. C'est une licence qui était très agréable et qui s'est bonifiée parce que petite on attend quand même mercenarise. Oui, on l'attend, mais c'est surtout pour ceux et celles et ceux qui n'auraient pas joué au 1, courir était un pouvoir qu'on acquérait au milieu du jeu. Quoi. Ça n'est pas une plaisanterie. Twin qui galère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, c'est la dernière salle. Allez, on encourage Twin. Voilà, c'est bon, le retour. Oh là là, la mort sur la dernière salle, c'est vraiment peu. Non, mais il veut laisser un espoir à Vlad. Que voulez-vous? Il dit, prends de l'avance, petit. Alors qu'il n'est pas si petit, Vlad, en vrai. Hein. Alors que ça mâche les boutons et Twin qui se tape quand même le... Il était pile poil à 150, il avait une chance. Vlad qui est en train de se suicider avec Globox. Vous comprenez pourquoi on fait faire des dessins de Globox qui se prend des baffes maintenant? Vous voyez le lien avec la run, tout à fait. Globox que l'on appelle la poubelle bleue hein, dans le monde du speedrun. Moi, je l'aime bien, ils ont du charisme, les personnages. Ouais, mais il va moins vite. Eh ben ouais, c'est pour ça. Quel intérêt. Il a une plus grosse hitbox. Non, alors apparemment, il irait plus vite, mais vu que son hitbox est plus grande, c'est moins pratique. Tu passes pas partout. Je sais pas. Mais vraiment, le jeu est codé assez bizarrement et pas complètement fini. C'était le UbiArt Framework a toute une histoire assez intéressante. On avait hier un développeur qui a utilisé ce moteur pour faire un jeu qui s'appelle Just Dance. Vous imaginez que Just Dance est fait avec le même moteur que ça. Donc ça vous dit qu'effectivement c'est particulier. Alors ici très très intéressant ce qui se passe. Regardez ce que fait Vlad. J'ai pu essayer de le faire, c'est pas facile du tout. Il faut taper, faire apparaître donc ce deuxième personnage, le taper, le suicider dans la descente et en même temps avec Rayman faire un saut contre le mur. Oui. Et en fait au moment où on doit ressauter, au moment où on dépop son deuxième personnage pour activer la mort en dehors de l'écran de Rayman. Regardez ce que fait Twin. Regardez bien, vous allez voir, il le lance, il saute, et au moment où il le dépop, un tout petit peu après, loin, il fait un saut. Quoi. Et voilà, et là, et pourtant, Rayman n'est pas mort, on le voit même retomber. Et le jeu est codé avec intelligence. Ouais. Bah, il est trop loin. Non, mais c'est plutôt pas. En vrai, c'est plutôt pas mal. On va dire, c'est pas très sympa pour les joueurs. C'est pas très sympa, mais c'est cet effet. Normalement, tu. C'est vrai que là, la fenêtre est faible, elle est toute petite. Hein. Et c'était un des tricks les plus durs, vous pouvez les applaudir parce qu'en vrai le faire 8 fois d'affilée ça et le faire sans se planter, eh bien c'est félicitations à eux deux. En fait, vous avez décidé de réussir les trucs durs et de vous planter sur les trucs faciles, c'est la base de cette run, on est d'accord? Allez, 175 pour Vlad à gauche. Là je le sens. Allez Vlad, on y croit. Ah et c'est raté. Vraiment, non, c'est Twin qui est arrivé. Ne vous faites pas croire que vous n'allez pas en réussir un seul alors qu'on leur a promis. Faites un effort. Ah bah, il y a 50 000 encore. Hein. Il en reste. Ce niveau...
Toujours un peu. On est obligé de patienter, on n'a pas le choix, c'est terrible. Les speedrunners adorent devoir patienter dans un niveau autoscroller. Pendant que, en attendant, Vlad met des baffes à Globox dans les temps de chargement. Et voilà. Heureusement, ici, il y avait de la lave dès le début. Ils se sont dit, les speedrunners, ils ont besoin de sauter ce niveau très vite. Alors, en plus, même parce qu'au niveau de la Xbox, tu peux survivre si t'es trop à gauche ou trop à droite. Parce que c'est pour ça que c'est une flamme, c'est pas de la lave. C'est des flammes, c'est ça. Il n'y a pas une zone qui te dit si tu passes là, t'es mort. Non, il faut toucher les flammes. Regardez, donc on ne meurt pas exactement tout le temps au même moment. C'est complètement de. C'est rigolo. Il n'y a pas de trou, en fait. Il y a des flammes. Donc, toujours une avance de Vlad pour les personnes qui arrivent. Et une 50 électounes. Alors, il arrive à 27. Et donc, en gros, il a toute la séquence de morts consécutives, d'avance sur Twin. On rappelle, dans le jeu, quand on meurt 8 fois, eh ben, le jeu nous propose gentiment de passer au niveau suivant. C'est ça. Et vu qu'on n'a pas besoin de faire l'intégralité des niveaux pour avoir 50 électounes dans cette catégorie 1% 50 électounes, eh bien, on va décider quel niveau on va faire et quel électoune on va débloquer. En général, on fait un ou deux électounes par niveau. On aura besoin de 50 au final. Et donc, on récupère des lumes, ces petites créatures jaunes flottant dans le niveau pour en avoir assez et débloquer les électounes de fin de niveau. Donc c'est un routing un petit peu particulier parce que le but c'est pas forcément de foncer à la fin du niveau mais aussi de prendre ces lumes le long de la route et de débloquer des électounes pour pouvoir atteindre le dernier niveau et donc le dernier boss. Voilà. Ah, par contre, j'espère que vous aimez pas trop les boss. Parce que dans cette catégorie... Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Parce que, bon, si on peut ne pas les voir, c'est toujours mieux. Moi, par exemple, je suis un fan de boss, mais j'aime quand même le jeu. Ou alors, les boss par des qualités. De Rayman, oui. Vraiment, on peut s'en passer. Moi, je vote oui. Alors, ça dépend, parce qu'effectivement, en speedrun, il y a trop de séquences, donc c'est pas forcément intéressant. Mais quand tu joues de manière classique au jeu, c'est super sympa. Surtout à plusieurs. Ouais. Ils sont très très bien conçus pour ça. Dans le cadre du speedrun, effectivement, des boss à phase où il faudrait attendre et on peut les toucher qu'à un certain moment. Il n'y a quasiment pas de temps à gagner ou à perdre sur un boss, c'est juste on s'enfuit en fait. Alors que Twin est toujours en mode maximal pour compenser son petit retard. Il revient. Le niveau où, regardez, on a récupéré le pouvoir de la nage. Et en fait, nager, c'est pas si bien que ça. Par contre, sauter sur l'eau, c'est très pratique. Et le niveau aussi qui n'est pas fait pour les daltoniens. Les ennemis sont rouges. Ah oui, ça c'est... Voilà. Si vous êtes daltonien, je vous déconseille de runner Rayman Origins pour ce niveau. Bah surtout, en fait, si vous êtes développeur, maintenant, il y a des solutions qui c'est ça. Mais à l'époque, possibles pour... Mais c'est vrai que pour ce... Alors, c'est en 2010, ils n'y pensaient pas. Hein. Moins, mais maintenant, c'est des choses qui se font, effectivement. Les modes daltonien, effectivement. Et là... Ouais, Red Twin, hein, j'irais toujours... vingtaine de secondes. Hein. Et regardez les sauts, on passe, on saute. Moi, je me rappelle de mon traumatisme de Rayman, parce que là, bon, évidemment, il sait nager, donc l'eau ne tue pas, mais Rayman premier du nom, l'eau tue. Ah, oui. Bon, tu sais, on la touche, mais quoi ? Depuis au moment où tu la touches, hein. Il n'y a pas de... Et puis, il meurt de manière assez sale, Rayman, ça fait mal. Allez. Allez, Twin, on est obligé d'aller. Alors, vous avez vu aussi, certaines boîtes d'Electoon doivent... on doit tuer tous les ennemis, en fait, hein, qui sont dans la pièce pour la débloquer. C'est pour ça qu'ils vont chasser les petits poissons rouges. Et c'est raté pour Vlad. Un jour, il va l'avoir. Hein. Il mâche pourtant très très bien sa manette hein, qui souffre à chaque fin de niveau. Il faut compter une manette toutes les 100 runs à peu près. Hein. Toutes les 100 heures, je dirais. Hein. C'est à peu près ça. Hein. C'est un investissement, le speedrun. Hein, ils ont besoin d'avoir des sponsors hein, pour les manettes qu'ils épuisent sous le coup de boutoirs de leur doigt. Le truc qui est rigolo, c'est que tu as toujours genre, soit une direction ou un bouton qui est mort. Et donc, oui, mais manette. Ta manette, elle ne marche plus quand tu prends qu'un seul bouton. Il y en a encore peut-être 12 qui marchent. Mais bon, c'est dommage. Allez, là c'est pareil, petite mort, on est parti pour Vlad. On enchaîne, on balance son pote. On rappelle hein, au niveau du binding sur la même manette, il y a les deux joueurs, ce qui permet du coup de faire des manips, faire apparaître son pote. Petite erreur de Vlad là.
Et voilà, la mort, on envoie son pote effectivement avec un magnifique coup de pied. Alors ça, c'est un coup de pied un peu particulier. On va voir Twin le faire et je vais pouvoir vous l'expliquer un petit peu. On saute, on se retourne, on tape en fait pour vous donner un coup de pied qui fait que on va. C'est un coup de pied qui est pas normal en fait dans le jeu. C'est quand vous donnez un coup de poing ou un coup de pied à votre copain, ça vous envoie pas aussi vite. Mais vous voyez, il se retourne et il donne un coup de pied retourné, on va dire. Et là, on le voit vraiment se faire éjecter vitesse maximale contre l'ennemi. Et en fait, il le fait dépoper alors qu'il court à gauche comme d'habitude. Pour mourir 8 fois d'affilée et passer au niveau suivant. On évite les niveaux où on nage. En général, c'est moins rapide. Même si c'est des niveaux très sympas, c'est des niveaux pas très punitifs. C'est pas la pire des nages. Hein. C'est toujours. Mais c'est vrai qu'en dans une expérience normale de jeu, ça peut être très agréable d'explorer. Mais c'est vrai qu'en speedrun, les j'ai niveaux du mal à d'eau... dire si Twin fait mieux que Vlad les morts d'affilée. Mais après, celui-ci est peut-être particulièrement difficile, parce qu'effectivement, ce fameux coup de pied est assez. Ce coup de pied retourné. Ouais. Ce Hurricane Kick. Je ne sais pas s'il a un nom officiel. Le méga kick, je pense qu'il pourrait s'appeler comme ça, ça lui irait bien. Et vous avez vu le Teensy toucher le mur, et ça, c'est ce qu'on veut éviter, parce qu'il a dû s'arrêter. Alors, parti. Ah oui, c'est. J'adore l'univers sonore aussi en termes de sound design. Le Rayman, c'est toujours un plaisir. Franchement, c'est un jeu, faites-le découvrir à vos enfants aussi. C'est un jeu qui est. Ouais, carrément. Si vous pouvez le faire en famille, c'est un jeu parfait. Allez, pour les gens qui ont des enfants, vous le conseillez, faites-le à 2, à 3, à 4. Vous êtes vieux et que vous avez des enfants. C'est ça. Ou avec les petits-enfants, enfin, peu importe. Oui, si vous êtes très vieux et que vous avez des petits-enfants, vous pouvez même le faire. C'est super. C'est un jeu transgénérationnel. Ouais, c'est vraiment, vraiment très agréable. Gardez quand même une personne qui sait bien jouer pour ressusciter tout le monde s'il y a un problème. Alors que Twin, ça y est en mode suicide de Teensy. Vlad essaye de mâcher sa manette pour... Et on n'aura toujours pas la possibilité de voir le skip de l'affichage d'Electoon, de comptage d'Electoon. 35 minutes, toujours quelques secondes de retard pour Twin. On est quasiment un niveau d'écart. Non, ils ont un niveau d'écart. Ah oui, c'est ça, oui. Eh oui, c'est tout le souci. On va regarder, il est rentré à 40. Un niveau passionnant pour Twin. Un niveau où on prend des électoons, on se balade tranquillement en nageant, on récupère des choses. Mais vous voyez, on est obligé d'attendre. On ne peut pas passer. Et... C'est passionnant pour ce genre de petites phases. Après, ça fait des électoons à pas cher. C'est ça qui est bien. Ouais, mais après, il faut quand même bien optimiser ses déplacements de nage et tout ça. Donc là, vous voyez Vlad, pareil, se suicider en touchant le mur. Ça va plus vite de toucher le mur et de foncer dans l'eau. Et pour ça, bien sûr, éviter un niveau de shmup en mystique qu'on n'a pas du tout envie de voir. Alors que Twin mâche le bouton. Regardez, on voit son pouce à l'écran. Et on va voir, est-ce que ça va passer ce coup-ci ? Et non, toujours pas. Alors, t'as mesuré un petit peu l'écart plus précisément ou pas ? On va regarder là le point à 40 en gros. On était à 36-40 dans l'entrée de ce niveau effectivement pour Vlad. Twin, c'est l'heure du suicide anti-moustique. Quand même une belle avance. Là, il va falloir maintenant gratter des frames. Et j'ai envie de dire, malheureusement, même s'il ne le souhaite pas, il faut quasiment compter peut-être aussi sur... Une petite interview de Vlad. Une interview de Vlad, Je pense qu'il peut nous dire. Est-ce que tu penses que ce niveau est un niveau intéressant, Vlad ? Ouais, c'est vachement bien. Il y a plein de strats, c'est cool. Alors, comment tu as découvert le speedrun ? Eh ben, grâce au speed game. Donc, est-ce que Twin, en un sens... Vous pouvez l'applaudir, effectivement. Est-ce que Twin, en un sens, tu t'es pas tiré une balle dans le pied pour cette race, vu que tu as créé ton adversaire ? En un sens, bah oui. Effectivement. Tu aurais pu être tranquille à René ce soir et tu t'es mis Vlad dans les pattes, quelle idée ! Ça aurait été beaucoup moins drôle tout seul. Tout à fait. Allez, en tout cas... On a récupéré on est en train de... Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Vlad ! Eh, Vlad, et voilà ! Oh là, L'interview. Oh là 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 là, ça a marché. On est là pour rééquilibrer les forces entre les personnages qui jouent, bien sûr. Mais après, il y a des moments. En fait, je me rappelle qu'à l'entraînement, Twin était. Il y a des lors moments difficiles. Une des runs, il était mort parce que. Ouais, c'est un pouvoir important qu'on va récupérer, c'est le pouvoir de courir contre les murs. Vous voyez que cette boîte, elle a un pouvoir spécial et donc on la poursuit. Et là, il a même touché Vlad, mais ça ne sert à rien. Et on a effectivement. J'ai cru qu'il avait perdu son cœur, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas le plus important. C'est juste que.
Il va avoir ici une technique très intéressante. Est-ce que Allez. Vlad Valadante, bien sûr. Ah, cette main, regardez. Ah non, il vole normalement. Tu ne tentes pas la technique secrète. Ouais, là, je me suis emmêlé les pinceaux. Tu t'es emmêlé les pinceaux, il ne tente oh là pas. Là. Alors, si Twin fait la technique secrète, il va pouvoir vous montrer comment aller très très vite en haut. Regardez ah ouais, mais là, Twin. Entre la petite mort plus le petit entre ouais, ça se qui n'est pas passé, ça se resserre. Les étoiles se réalignent. Voilà, on termine à 36, en gros 36-37 pour Vlad. On a fait apparaître la fée. La fée est toujours poursuivie chez Twin. Il va essayer de nous montrer la technique secrète ici qui vous permet, en ayant un cœur et un deuxième personnage, de le faire apparaître et de profiter d'un coup de pied en l'air. Et voilà. C'est pour Twin qui s'envoie dans le ciel. Incroyable. Et voilà, qui gagne de précieuses secondes, qui revient dans la course et qui va aller récupérer lui aussi le magnifique pouvoir de courir contre les murs. Alors on avait dit 37, donc paf, ça fait... Ah, ça fait quand même... J'avais dit 37, c'est ça, ou 47? Non, 47, je sais plus. Mais en tout cas, ça fait au moins 30 secondes. 47, 20... Il va falloir qu'on continue de poser des questions à Vlad dans cette phase incroyable où vous devez prier le dieu de la manette que le jeu ne plante pas. Non, il a planté son jeu. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Vlad vient de planter son jeu. Vous avez peut-être vu que la plateforme sur laquelle il était a disparu. Il a été obligé de reset le niveau parce qu'il ne peut plus passer. C'est aléatoire. Le jeu, il vous aime pas. C'est comme ça. On avait dit... Il est obligé de relancer le jeu, hein, vous le voyez. Ouais. Hein. Alors, Twin, qu'est-ce que tu fais? Je vais vérifier que ça marche chez moi. Oui, alors, on va les faire passer tous les deux ce niveau. Et on va les refaire partir ensemble. C'est le destin, ça c'est les le dieux. Destin. C'est les dieux de la RNG qu'on a. Regardez, si Twin ça passe, c'est legit. Attention. Et Twin va l'activer. Et c'est bon, ça Il va faut passer. Prier très longtemps, prier. Vous l'aurez remarqué. Voilà, il a mieux prié, c'est voilà. Passé pour Twin, tu vas attendre là. Voilà. On va laisser Vlad revenir, c'est vraiment injuste. Voilà. Mais mais moi je trouve ça beau d'un point de vue narratif. C'est le Deus ex machina, c'est comme ça. On passe la 40e minute, il reste même pas un quart d'heure de run et les jeux décident vers OK, on repart ensemble au même point. Ubisoft, merci à toi d'avoir fait un jeu bien pensé pour Spidon. Je trouvais Vlad un petit peu confiant. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. c'est horrible parce que la run de Vlad était vraiment bien. Il est mort un petit peu sur l'injustice du jeu. À un moment, et puis là. Il était, selon toi, vraiment une expertise au niveau du temps. Il était sur une run à combien à peu près? On était sur un 51-25, je pense. D'accord. Oh là là. Voilà. 20 secondes du record du monde. Annulé par un jeu, ça arrive régulièrement. Hein. C'est pas quelque chose qu'on n'avait pas anticipé d'ailleurs. On en a parlé avant, voilà. Mais parce que effectivement, il est jeu est injuste. Pour la petite anecdote, évidemment, c'est un petit peu la hantise des runners. Hein. Quand on a par exemple un jeu qui a quelques fragilités, des petites instabilités, on teste un nouveau setup et ça a été testé tout à l'heure, plein de fois partout et tout le monde était rassuré en disant ça marche super c'est bien, bon, ça marche super pas bien, ce soir. Aucun plantage, je suis rassuré. Voilà, mais j'aurais dit, vous connaissez l'effet Bonaldi? C'est terrible. Que les moins de 20 ans ne vont pas connaître. On est oui, vraiment tout à fait. Désolé hein, là, c'est un peu cryptique. Voilà. Moi, je me rappelle toujours de la démo de Bill Gates qui présente en fait. Je sais plus quel Windows et ça plante en live devant. Ah bah Windows 95, bien sûr. 95 ou 98. Oui, enfin de ceux-là. Ouais, et vous voyez en plus que Vlad a beaucoup de chance. Il doit refaire tout le niveau. Ouais. Eh bah tu vas pouvoir retester le glitch. Voilà. Oui. Voilà. C'est pour ça. C'est parce que tu l'avais raté, tu t'es dit « Allez, c'est pas grave, je vais le refaire, je vais montrer que moi aussi je suis capable de l'exécuter. » Je sais pas combien de temps ça fait gagner au total, mais quelques secondes, c'est pas énorme. 5 secondes, je pense. Ouais, 5 secondes. Ouais, mais il y a les points de style, je pense que... Ah, les points de style, ça le speedrun, c'est une discipline évidemment sportive, mais il y a aussi une dimension show, et c'est vrai qu'on est friand de ça. Et voilà. Et je pense que c'est pour ça, il paraît que le pont ne se charge pas si on rate ça, je pense. Ouais, j'ai une théorie sur, moi, je parie sur un échantillon de deux, ça va. C'est sûr que ça va passer. Excusez-moi, est-ce qu'on peut en profiter pour lire? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Un petit peu de temps. Un don de Saris qui donne 10 euros, qui dit trop content de voir du Rayman à Spidon. GG à toute l'orga, courage, la grosse bise. Et il y avait une petite dédicace aussi de Claudie Faucan qui dit vive Rimlop et cœur de Vandal, à jamais les maîtres. GG au runner, Qatar et Régie pour cet événement. Comme on dit chez nous, bourrez les dons et qui donne 50 euros. Et merci à Edif pour son don de 10 euros et qui dit go 50 000 euros. Et oui, il faut y aller. Merci Draka qui donne 200 euros. Merci beaucoup. Et effectivement, on vous lit un petit peu, évidemment. On est focalisé sur la run, mais on vous lit un petit peu. Mais alors, petite anecdote, j'ai
J'ai pris d'âge et du coup, tu veux que je t'aide? Je lis les commentaires. Je pense qu'on peut faire prier en même temps que Rayman et le Tinsy. Du coup, tout le monde va devoir synchroniser. C'est parti. Vous êtes prêts dans la salle. On lève les bras comme ça, voilà. Tous ensemble. Et on va se synchroniser. Voilà. Hop. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Priez. Ça fait Allez, le jeu plante pas. Allez, le jeu soit sympa. Allez. Il faut que Vlad y passe. Il était devant. On est bon. Allez, c'est bon. On veut que la run continue. Allez. Oui. Allez, Rayman. Allez, c'est bon. C'est passé, bravo. Le plus dur est fait. C'est un trick hyper difficile de prier. Hein. Donc ça, pourtant, j'ai pas mes lunettes et c'est pour ça que du coup, je. Voilà. Voilà, j'ai des lunettes. Ah, ils disent que maintenant, tu es réellement myope. Alors non, je suis pas myope. C'est de loin que je vois pas. Oui, donc tu es myope. Oui, bah c'est ça. Oui, pardon. Mais désolé, je suis. Voilà, il n'a pas l'habitude. Il n'a pas de lunettes, lui, d'habitude. Voilà, je suis tout nouveau dans le milieu des gens qui ont des lunettes. Alors, moi, je vais vraiment rien voir. Alors, qui c'est qui joue? C'est quoi le jeu? Voilà. Et donc. Alors, attendez, en plus, j'arrive pas à les remettre avec le casque, c'est parfait. Voilà, et donc... voilà, ils sont repartis, synchrone. Bon, bah voilà, il en profite, Twin, maintenant, il est devant. Ouais, il manque beaucoup de lames, là. Ouais. Ouais, donc t'es obligé de t'arrêter, récupérer des lums, tuer des ennemis. Alors tuer des ennemis, ça vous rapporte un lum. Sauf quand une plateforme, par exemple... Oula, Vlad. Oh là là. Oh, il a bien récupéré. Bien joué, c'était serré. La mort aurait été terrible. Et on passe quand même dessous. C'est un niveau assez... Oh, j'ai eu peur que... Ok, non, tout va bien. C'est sauvé. Et, excusez-moi. Ne t'excuse pas. Un run qui était si bien parti. C'est sûr. Non mais après c'est déconcentrant, je le comprends. Et puis d'habitude à ce moment-là, quand ça t'arrive, t'as déjà appuyé sur le bouton reset. Tu as des fans dans la salle, Vlad. Hein. Mais tant mieux parce qu'il ne me reste plus que ça. et mâcher le bouton avec talent, on ne sait jamais. Bah, 301, ça passe pas. Non, je sais, mais bon. Allez. Essaye. Allez. Et non, ça ne passera pas. Alors. Ah bah c'est pas passé, il reste un lum de trop. Et on va partir sur le babouin mystique. Je veux dire, ils ont des bons noms, au moins les niveaux. Et tout ça pour se suicider sur le premier pic venu. Pas besoin de technique particulière, un petit coup de poing. Et on est dans les pics. Ah mais les pics c'est universel au niveau de la grammaire vidéoludique. Ça très souvent quand même. S'il y a une chose que tu sais qu'il faut pas toucher dans ta vie, dans un jeu vidéo, c'est les pics. Ouais. Donc Vlad qui a quand même perdu, je dirais bien, une vingtaine de secondes, un peu moins, peut-être 15 secondes sur ce niveau, ou qui a été un petit peu cafouillageux, j'ai pas le droit de dire ça, cafouillant. Si, c'est entre cafouillage et nuageux. C'est ça, probablement. Les néologismes, ça sert. Hein. C'est les cafouillages très sombres qui font perdre du temps. Mais... petit niveau où on est obligé de patienter, comme d'habitude pour Twin... Et ce qui est bien, c'est que s'il y a des personnes qui arrivent sur le live à ce moment-ci, on peut complètement en fait faire du révisionnisme et dire « De toute façon, Twin est surclasse complètement Vlad, là. Vlad, il est dépassé par les événements. Et... » Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il se fait gratter des secondes. Il a le record du monde et qu'il n'est pas capable de l'exécuter en live. Ouais, parce qu'il est à 51.04 sur son corps, 51.05 pour Twin. Alors bien sûr, le timer maintenant ne va plus avoir de sens. Hein. Oui, bien sûr. Ils espéraient faire un moins de 52 avec le plantage du jeu. 2 minutes d'arrêt, je ne sais plus, mais ouais, voilà. C'est ça, ça a duré quand même assez longtemps le retour de Vlad. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, la run est quand même extrêmement impressionnante et de qualité pour les deux joueurs. Et c'est ça qui est difficile quand on est en live, quand ça se passe pas bien. Imaginez de manière théorique le runner, la runneuse, un truc never happened before, c'est le fameux. C'est ça. On l'entend souvent, mais le fait là, est que. C'est que ça arrive déjà, hein. On le savait que ça pouvait arriver, hein. Ce jeu nous fait des surprises. Alors après, on n'a pas encore eu de never happened before, c'est-à-dire de mourir à un endroit qui n'était vraiment pas normal. Ça pour l'instant, être... c'est à peu près logique. Ouais. Alors que Twin est en mode suicide dans ce début de niveau, petit, très simple, petit coup de poing et saut vers le bas. Petit coup de cul, enfin je sais pas, c'est un coup de tête, c'est un grand pound comme disent les Américains. Donc Twin. Alors il y a pas. Alors avance. Pourquoi est-ce que. Alors on nous pose la question, je vois dans le chat, pourquoi ils jouent en espagnol, tout simplement pour qu'on puisse les différencier, hein. Ça n'a Mince. Aucun impact sur le temps. Non, ou alors, ça va. Simplement parce que Vlad fait honneur à ses origines, je ne sais pas, je ne pense pas. Alors la question intéressante, qu'il y a certains jeux effectivement, notamment les RPG, on s'amuse à jouer en chinois simplifié, en japonais. Des jeux où la langue, bien sûr, c'est. Il y a quand même assez peu de texte dans Rayman, vous l'aurez remarqué.
Surtout, c'est qu'il a peu d'impact sur la durée du speedrun. Alors, on n'a pas parlé de l'histoire, et on ne parlera pas de l'histoire. Oui, bah, en gros, vous sauvez des gens de manière très schématique. Voilà, il y a un méchant, il paraît, à la fin. Et en fait, on veut juste retourner faire la sieste. Hein, voilà. Et ça, c'est une bonne motivation pour être tranquille. De toute façon, a-t-on besoin de raisons pour aider les gens ? En général, on le fait assez facilement dans les jeux. On est habitué à jouer les gentils quand même. C'est plutôt sympa, c'est bonne ambiance. Donc toujours, ce coup-ci, le suicide avec Globox. On le lance, on le suicide et on court à l'envers du niveau avec Rayman pour activer le trigger de la mort du jeu. Et on meurt 8 fois pour skipper le niveau, la technique la plus importante de ce speedrun qui a vraiment permis en fait de le rendre aussi sympathique pour qu'il ne dure que 50 minutes. Et c'est pas terminé parce qu'en fait, normalement, le jeu, vous ne pouvez pas le terminer avec 50 électounes. Vous allez voir que ça va être très intéressant de voir comment ils vont passer pour justement passer sans avoir tous ces électounes. Oui, parce qu'il y a quand même un hard check à 50, un premier. Voilà, en fait, c'est le, on va voilà. dire le jeu se débloque par morceaux en fonction du nombre de électounes que vous avez. Et 50, ça vous permet d'accéder, on va dire, à la dernière zone du jeu, mais c'est pas du tout les. C'est une très longue zone en fait, avec beaucoup de niveaux à l'intérieur. Et ils vont décider de ne pas les faire. Petite avance. Oh, mais ça s'est carrément rattrapé. Ah ouais, là, on est très très proche. Ou alors, ils ont un niveau d'écart. Attends. Ils ont un niveau d'écart. Ah oui, c'est ça. Eh oui, c'est ça. C'est que Vlad n'est pas au même niveau. Parce que je me disais, c'est pas possible, j'ai pas vu tout. Non, mais ils ont des chargements synchrones, c'est pour ça. Ils mettent autant de temps à mourir dans les deux niveaux. Voilà, Twin va sortir de ce niveau alors que Vlad vient d'y rentrer. Encore une petite mort pour Twin. Alors, il faut les compter. Parce qu'il faut être prêt à appuyer sur partir deux fois et à l'envers. Ça, ils sont, finalement, ça s'est quand même pas mal resserré. Ouais, en fait, carrément. Vraiment. Mais Tweed va partir maintenant, je pense. Non, pas encore. Bon. Ça fait pas 8 fois. C'est long, 8 fois, des fois. Hein. Bah, voilà, ça y est. Bam, il sort à 50. Il est sorti pile poil à 50. Effectivement, on va voir combien Vlad a de retard. Ce robot aura tué tellement de Rayman dans sa carrière. Il doit être très, très fier de lui. Et donc, on est à 10 secondes de décalage pour Vlad. 10 secondes, c'est très honorable. Rien n'est fait. Il reste suffisamment pour essayer dans de les compenser. 50, surtout qu'il reste 53-54, je pense. Ouais, et puis il reste 54. Un trix ici extrêmement important. Oui. Regardez bien l'écran de Twin. Petite cinématique sur ce Twinsy incroyable. Ah, et en fait, il était déguisé. Vous avez vu, il a enlevé son étoile. Incroyable. C'était un méchant, tout compte fait. Et on ne l'avait pas deviné. Et on le voit... Piéger Rayman qui tombe. Ça, c'est le grand classique. Voilà. La trappe. Il est bien naïf, ce Rayman. Hein. Il ne s'était pas douté que c'était un ennemi. Et vous allez voir ici quelque chose de incroyable dans ce jeu. C'est que voici un boss très, très véloce et pas cool du tout que vous n'avez bien sûr pas envie de faire quand vous êtes un speedrunner. Et on a mis du temps à trouver comment faire, vu qu'il vous pousse et tout ça. Mais si vous courez au bon endroit et que vous sautez au bon moment et que vous passez sous ses pattes, il n'est pas dit que vous soyez obligé d'aller le faire. Là, c'est... Et donc, en utilisant des sauts bien malins et heureusement qu'on a débloqué la course, le vol et le coup de poing, eh bien, on peut remonter le niveau sans bader, tout simplement, quitter le niveau, sauter ici, passer de l'autre côté et revenir de là où on est parti à peu près et ressortir. Et voilà, c'est réussi pour Twin, c'est réussi, je pense, pour Vlad. Très, très beau glitch de la part des deux runners. J'aime bien le côté on rentre et on ressort. Voilà, c'est ça. Le trigger est de l'autre côté de la porte. Dernier niveau en Rayman. Là, ça va être difficile pour Vlad de revenir à moins d'un accident gravissime du côté de Twin. On voit tous les deux runners donc là qui doivent utiliser toutes les techniques en fait que l'on a débloquées et appris au cours du jeu. Et en fait, pareil, hein, c'est un niveau un peu auto-scroller. On peut pas vraiment gagner du temps sur ce genre de niveau parce qu'il se déclenche en fonction de votre position. Et si vous allez vite, eh bien, voilà, il va aller un peu plus vite, mais c'est tout. On est obligé d'attendre et donc on ne peut pas taper ce petit Twinsy volant. Mais on va l'attraper plus tard. C'est toujours épique les fins, j'aime bien les fins de Rayman, c'est en général. Ouais, il y a des scies qui tournent, on est presque dans un Meat Boy. Bon, c'est quand même beaucoup moins dur, hein. C'est un jeu qui est très facile à plusieurs et qui devient beaucoup plus exigeant seul. Ah, 37. Quelques secondes d'écart entre les deux. La partie shoot. La partie shoot them up, la dernière partie du jeu. Alors... Moi, je pense qu'on va devoir faire un truc où le nombre d'électounes finales déterminera le nombre de secondes que vous gagnez. Ça, peut-être qu'un de... On peut encore tout inverser.
qui fera le plus grand nombre de lums à la fin, qui aura tué le plus d'ennemis, récupéré le plus d'objets, on verra. Moi, je pense qu'il va falloir retimer à la frame pour savoir qui est devant. Ouais, ouais, parce qu'en vrai, vu qu'il y a eu l'arrêt, effectivement... Ah oui, la vache, parce que là, ça s'est... C'est vrai que c'est très, très, très serré, en vérité. Hein. Là, on le voit, vous êtes dans la frame, tous les deux. On leur a vendu un des records personnels à une seconde. Non, mais sérieusement, on arrive 53 minutes plus tard pour que vous nous fassiez ça. Regardez, moi, je sais même pas qui est qui. Vous avez quasiment le même nombre de l'homme. Alors, tweet 110, 112 pour Vlad. 116 pour Twin. 117, 116. Vlad qui reprend l'avantage à un l'homme d'avantage. 122, 116. Twin. Petite avance de Twin. Il a touché le truc avant. Ah là là, c'est très léger comme avance. Il faut regarder quel objet apparaît. On avait prédit une race extrêmement serrée. Oh là là, cette avance minimale de Twin. Et encore, on a l'impression que ça passe d'un niveau à l'autre. Que tout... Et non, maintenant, c'est... Non, c'est... Je sais pas moi qui est devant. Il faudra. Attends, je mets la vision ralentie. Ouais. J'essaie de prendre un point. C'est, non, sérieusement, c'est Twin qui est devant. Twin est devant, ouais. Oh là là. Attends, regarde le nuage. Non mais le nuage. Non mais sérieusement. Non mais regarde le décor derrière. Mais le décor derrière, c'est le même. Non, il a 2-3 frames d'avance. 2-3 frames d'avance, sérieusement. Mais ça peut changer. Il peut plus se passer grand chose à partir de maintenant. Et voilà, non, finalement. Ah là là alors, là là. Alors, qui va gagner? Qui va permettre à cet événement de passer les 50 000 euros alors qu'il n'en reste que 600 à 60, même pas 658 à prendre? C'est le moment de le faire. La petite avance de Twin, là, quand même, on a vu là le. Il faut taper fort le boss, mettre un maximum de dégâts, éviter les missiles qui ne sont... Ah non, le zoom finalement... Et Twin qui part. Oh non. Je sais pas s'il m'a tué, j'avais un cœur. Je sais, j'ai aucune idée s'il m'a tué. Ah là 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 là. J'avais attendu Vlad pour qu'on soit pile synchro. Et je me suis fait one shot, je sais pas par quoi. Je meurs où? Il y a du coup, je meurs qui m'a spawn sur la gueule. Non, mais on meurt pas. Non, ne mourrez pas, ne mourrez pas. Et donc, c'était tout ça pour offrir une victoire à Vlad que tu aurais un petit peu volé, peut-être, sans cette aléa du code du jeu. Ça fait partie de la discipline aussi. Hein. En vrai, c'est la honte de mourir là-dessus, mais vu les aléas du direct, c'est pas très très grave. Non, et puis vous avez fait la performance est là. Vous avez tous les deux extrêmement bien joué et montré plein de choses super intéressantes dans ce Rayman Origins. Un truc rigolo quand même pour les amateurs de tendinite, hein, ça c'est la vitesse à laquelle on tire normalement. Et ça c'est la vitesse à laquelle un speedrunner il aime bien tirer. Parce que ça ne sert à rien, mais les manettes ont une durée de vie beaucoup trop courte, on trouve. Et Vlad qui arrive au bout de ce niveau. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de question de timing. Le time pour... Vlad, et voilà, fin du jeu pour Vlad. Félicitations. Malgré les aléas, il est allé au bout. Mais c'est le principe d'une race, c'est des rebondissements, une mort inopinée, un qui se passe pas bien. Et on va regarder l'intégralité du générique. Non, il est extrêmement long dans Rayman Origins. Vous avez les GG, les clap-clap du chat, en tout cas, gratifie de cette magnifique race que vous avez offert tous les deux, vraiment félicitations. Est-ce que vous allez continuer à grind, messieurs, pour récupérer un record du monde? C'est quoi le temps que vous souhaiteriez avoir? Sub 51 peut-être. Voilà, l'espoir c'était de faire sub 51 speedon et de s'arrêter, de poser la retraite définitivement. Le jeu, moi ça fait 10 ans que je le run quasiment et c'est bien trop. Heureusement, j'ai fait une pause de 8 ans pendant laquelle j'ai eu un record du monde incontesté. Je retiens à remercier Kilaï énormément, qui nous a trouvé en fait toutes les techniques que vous avez vues aujourd'hui, qui ont permis de gagner quasiment 2 minutes et demie. Je tiens à remercier les développeurs chez Ubisoft qui m'ont permis de gagner théoriquement. ce jeu est une purge. Jouez-y lentement, avec grand respect pour le framework. Mais c'est un très bon jeu et un speedrun assez capricieux. Eh ben en tout cas, merci beaucoup. Vous continuez sub 51, on est d'accord? Ouais, allez, félicitations. En tout cas, à vous deux, merci beaucoup pour cette performance incroyable.
Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés tout du long. On va vous laisser retrouver vos ambianceurs préférés pour préparer la run suivante. Une run, c'est qui juste après, vous savez, vous ? Eh bien oui, c'est Deathloop. Ah, mais oui ! Non, je le sais, c'est bon. Bewix, tout ça, je connais. Deathloop qui va arriver, on va retrouver nos ambianceurs.